on est à Courchevel, à l'Aquamotion, donc c'est un espace piscine, on a un mur d'escalade. Donc on s'entraîne ici pratiquement tous les jours avec les enfants, on en a une trentaine d'enfants. On a fait un porte ouvert dimanche dernier avec un mur qu'on a mis en extérieur. Donc on a eu beaucoup d'inscriptions, on déborde d'enfants, c'est très bien. Oui, on peut attraper des cerceaux si tu veux, Emma. Ouais. Ou en grimpe aussi. Donc on a une groupe compétition, un groupe loisirs. Après, on commence avec des bouts de choux, 5 ans, ou après, je pense que c'est 5-6 ans où on peut commencer un peu les compétitions. Donc on essaye de les habituer d'un jeune âge, de faire de la vitesse, du bloc. J'essaye de mélanger. De toute façon, j'ai les Anglais et les Français qui sont mélangés dans les groupes. Donc je parle en français, je parle en anglais. Des fois, je mélange entre les enfants, mais ça marche bien. Les Français, ils apprennent l'anglais, et que les Anglais, ils apprennent les Français. L'année dernière, donc la plupart des enfants avec le Covid, ils ont pris leur licence, ils n'ont pas pu grimper. On est reparti c'était le 19 mai. On est reparti jusqu'à maintenant, donc moi j'ai ouvert la salle toutes les vacances scolaires d'été pour qu'ils peuvent s'entraîner et un peu utiliser leur licence qu'ils n'ont pas pu utiliser. Donc ça va faire deux étés quand on ouvre. Normalement on est fermé l'été pendant les vacances scolaires, mais là on ouvre et les enfants ils jouent le jeu. Tu arrives au sommet, tu sonnes la clochette? Ouais. Pour dire de descendre. Et tu vas pousser très fort pour aller là-bas. Allez, vas-y, je te pars. Allez, allez. Le créneau le lundi de 17h30 jusqu'à 21h parce qu'on a des adultes qui viennent grimper après les ados. Le mardi, j'ai le groupe, c'est un groupe 7-8 ans, donc c'est de 5h30 à 6h30. Moi, j'ai un groupe le mercredi matin. Olivier, il prend le groupe compétition le soir, le mercredi. Jeudi, on a les tout petits, donc 5-6 ans. Vendredi, on congé pour tout le monde et on re-attaque le week-end, donc le samedi matin de 10h à 11h30. Et le dimanche, on est tous de sortie, si le temps il veut bien, on va au premier Ruel grimper.